ça veut dire sort ou get out. Ça, mon gars, bien. Sinon, c'est un check. Un check. Attends, hey, j'ai peur. Ouais, y'a rien, ça va. Tu vas bien? C'est caddie en fait de base, hein. C'est juste une décoration en fait, si j'ai mal compris. Ouais, hein, c'est ça. Oh, il est mignon. Bon, alors on reprend, hein. Where is my casket? Ok. I will remember. Of you. Tu la tues pas. La tue pas, c'est une Superman, la tue pas. Doucement. Calme tes nerfs. Hey, je t'ai sauvé la vie. Je t'aime. C'est une Superman, c'est mon enfance, t'as vu. Je peux pas la. Bon, on reprend. C'est la première fois que je fais une vidéo où un mec me regarde comme ça, de façon énervée. Ah non, là c'est un sourire. Ah, il sourit ou pas? Non. Il y a un petit brûlant. T'as quoi en fait en dessous? Je t'ai fait mal. C'est quoi le numéro de ta maman qu'on l'appelle? Parce que. Y'a rien, hein, parce que. 218, si tu veux, t'es fait la maman. 218. Ouais, mais merde. J'ai mon portable qui est dans une autre poche, du coup je peux pas t'appeler, donc je suis vraiment désolé. C'est une vraie c'est... Ah ouais, quand même, c'est bien collé, hein. Non, mais moi, ça s'enlève pas. Je te tiens, vas-y, on est pas la barbiche. Sweet, Kiri aura une table. Sweet. J'ai dit, souris. T'es au courant que ça va jamais se terminer? Moi aussi j'ai des seins, mon gars. Eh ouais! Ma maman, elle m'a dit d'être poli avec les gens. D'être gentil, de respecter les gens. Mais là, c'est compliqué un peu. Parce qu'entre ma casquette et le doigt d'honneur, j'en paye les conséquences. Intérieurement, ça fait mal. T'as de la chance, tu tenais bien. T'es un malin, toi. Quelle heure il est? Elle a l'heure, ça va. Hein. Elle sait que. Sinon, il va ouf longtemps ou. Alors, qu'est-ce que. On va faire ça comme ça. Non, je parlais. Non, mais là, ça jouait plus. Non. Là, ça jouait plus. Là, ça jouait plus. Arrête de mytho, là, ça jouait plus. Là, je faisais les questions. Non, prends le mytho. Ah, maman, j'arrive. La balle. Vraiment, là, je dois y aller. On m'appelle. Vas-y. Doucement, parce que demain je dois être au stand 2K. Donc doucement. D'accord. La gauche, c'est possible pour toi là, celle-là. Celle-là est plus délicate. Non, celle-là. Aïe. Oh la douleur. Oh la douleur. J'ai rien fait. Ah. Oh putain, c'est un. Non, mais j'ai peur aussi. Vas-y, doucement. Et le jeu, c'est Borderlands. Borderlands, voilà, c'est ça. Je me disais, j'avais un doute. J'hésite entre Borderlands et un autre jeu. C'est pas bien, c'est mes toxico quand même. Juste pour dire, Call of Duty, c'est de la merde. Oui, ça, je suis d'accord. C'est ce que j'aime. En fait, les anciens Call of Duty sont bien. Mais celui-là, oui, c'est vrai que moi aussi, je... J'aurais bien dit une chose, mais vu que la chanson de Vador de Borderlands,
J'aurais bien dit que tu t'en fous, Louis, c'est bien. Bonne journée, hein. C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. Hello mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve au stand Toukay avec Fusion. Salut. Eh, comment, je t'ai trop bien accueilli, Fusion. Ouais, j'avoue, c'était stylé. Non. Pourquoi? Un bisou. Eh, c'est quoi déjà tu sais, quand on met la main comme ça et qu'on dit bang bang, tout ce que tu dis revient à toi, c'est quoi déjà le truc là? Je sais pas. Ça te dit rien? Boomerang, boomerang. Bah, tout ce que tu dis, ça revient vers toi. Hashtag Brice de Nice 1. Ah oui, peut-être. C'est ça, hein? T'as même pas les références. Donc, mes toxicos, alors on fait cette vidéo. Donc, c'est la deuxième partie de ce vlog. Juste après, vous avez une surprise parce que va s'enchaîner mon passage. Tu peux expliquer un peu ou pas? Bon, en gros, là, on est dimanche, c'est ça. Il a parlé avec Agnès, community manager de Touquet. Et demain, il passe sur la scène de Touquet tout seul à 11h. Du coup, on espère que ça va bien se passer pour lui. Are you ready? Next set! Ah! Je commence à me chauffer la voix, ça fait du bien. Ça me fait péter les oreilles. Ça fait plaisir. Tu sais que j'ai l'habitude de péter les oreilles de tout le monde. Ouais, bah ouais, je sais. Demain, je vais en péter les oreilles. Ouais. Je vais arriver comme ça sur une... Nya, nya. Les gens, ils sont pas prêts. Ils vont voir un malade mental à la scène. Ouais, c'est ça. Ça va être cool, ça s'enchaîne juste après. Donc voilà, là, on va enchaîner les interviews avec Fusion. Justement, des différentes personnes qui ont pu tester le jeu avec des questions qu'on va vraiment freestyler. Hein. C'est un fou. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je suis vraiment content parce que j'ai vu pas mal de toxicos qui sont entre hier, avant-hier et aujourd'hui. Donc, c'est vrai. Je fais des expériences. Tu leur as donné le tournis. Fusion, qu'est-ce que tu penses de ce WWE 2K7? Toi qui as déjà joué, toi qui as déjà... qui est très très bon dessus. T'es meilleur que moi, Fusion. Non, je t'ai battu, c'est vrai. Ouais, hey, je l'ai défoncé. Je reprends une paralyse, boum. Après, qui... Calme-toi. Il m'a peut-être battu deux fois, mais il a triché. C'est pas vrai. Non, moi je pense que c'est vraiment un super jeu. Peut-être un des meilleurs qu'on ait depuis quelques années. Après, il veut s'en aller, c'est pas grave. Il y a des défauts, mais il y a beaucoup plus de qualité que de défauts. Comparé à ceux du 15 ou du 16, c'est pas comparable. Au niveau de la carrière, de tout ça, c'est pas comparable. Tu peux pas comparer, genre, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je tiens à dire que je kiffe Superman. Et Superman, Fusion, tu le sais ça, Superman j'adore, ça me rappelle mon enfance. J'étais obligé de le sortir. Non. Eh, tu m'as cassé là. Là moi j'étais pas prêt. Donc demain lundi 29-31, lundi 31, je serai sur scène à partir de 11h. Vous pouvez me retrouver sur le stand Toukay directement. C'est moi le fou mental sur la scène. Tu sais pas si la vidéo sera sortie après que tu sois passé? Ah si. C'est pas un live là? Non. C'est une vidéo normale, Fusion? Ouais. Y a moyen que tu me déposes sur YouTube? Non, pas moyen. Ça va ou quoi? Tranquille? Check. J'ai pas. Attends. Antoine! Oh, je suis trop puissant! Fusion, je suis puissant ou pas? Ouais, ça va. Trop puissant? Non, quand même pas. Enfin, pas toi. Hein. Hey, je te rappelle, j'ai le logo Superman sur ma tête. Tu sais que je m'en bats les couilles. Salut. Quoi? Il est bloqué. Je t'en bats les couilles. C'est pas gentil. Déjà, on dit pas on s'en bat les couilles, on dit on s'en bat les fesses. C'est quoi déjà l'expression exacte? Et là, c'est un toxico qui vient de rejoindre. Ça va, Antoine? Ça va. Antoine, est-ce que t'as pu tester le jeu? Non, là, je viens juste d'arriver. Tiens-le. C'est lourd ou pas? J'ai pas testé encore.
Voilà, attends, tiens comme ça 5 minutes, ok? Un test de 5 minutes, il est 4 minutes 57 enregistrement. Attends, 5, 6, 7, 8, 9, on en reparle. C'est bien aussi de laisser le temps passer. Un peu de silence, ça fait du bien. Écoute, c'est silencieux. Non, c'est pas silencieux. Eh les gars, stoppez-vous le bruit. Donc demain, je serai sur le stand 2K, donc le stand principal, à partir de 11h, donc je ferai le show. Ça va être super cool, ça va être super sympa. Antoine, qu'est-ce que tu penses du jeu? Voilà, là c'est parti. Là, je vais faire des nouvelles nouveautés. Hein. D'accord, alors attends, on va commencer ensemble. Quelles sont pour toi les grosses nouveautés de ce jeu? Même si on les connaît tous, mais ça n'est pas vu, c'est normal. Backstage, on peut aller dans le backstage. Ouais, quoi d'autre? La carrière, je sais pas comment elle est, donc... T'as regardé les vidéos de ce jeune homme? Fusion, ouais. Non, j'ai pas regardé. Je t'invite à aller voir parce qu'elles sont vraiment très belles. C'est bon, là, il est tout ému. Et moi, je reprends demain, hein. Voilà, c'est reparti pour une année de malade. Toi-même, tu sais, je kiffe ton manteau. Attends, c'est pas un Redskin? J'ai le même. Oh, pardon. Ah, j'ai mal entendu. Non, excuse-moi. Je vais pas être agressif. Ça va être sur ton blog. Sur ma chaîne, ouais, c'est sur le blog, ouais, c'est ça, exact. Donc les gars, on se retrouve juste après, on va aller interviewer pas mal de gens. Après plutôt, parce que c'est un peu la foule derrière cette dawa. Parce que juste derrière, qu'est-ce qui se passe? Là, sur la scène de Touquet, il y a Amixem et Aikeliu, du coup, c'est un peu le bordel. C'est complètement le dawa. Tu vas aller regarder ou pas, toi? Ah si, ouais, pourquoi pas, ouais. Ça marche, on va y aller ensemble. On fera une game en presse si t'es chaud. Ah, ok, vas-y. Tu passes combien de temps, Antoine? Moi? Ouais. Je suis 4h30. Ah, en plus, Antoine, tu devais être sur un des clips, non, toi, non, de base? Mais quoi, sur quoi? Tu devais être sur un des clips, de base, non? Ouais, je vais sur... C'est lequel, Carlyle? À Nanterre, je devais aller. Oui, donc c'était Carlyle Sina, alors. Ah, t'as vu le clip du coup? Bah oui, j'ai vu le clip. T'as bien aimé? C'était le dernier quand vous étiez avec dans la salle. C'est le premier. Tu sais, celui. Ah, mais avec Dima dessus, le nom. J'ai regardé, je suis sous le nom en fait. Ah, ok, d'accord. Bah, en tous les cas, tu regarderas, tu verras. C'est ça, en gros, c'est le clip où la qualité elle est vraiment très bien. Voilà, donc tu vois. Ouais, vas-y, pas de soucis, on fait une photo en même temps. J'ai vu combien de toxicos? J'en ai vu deux aujourd'hui là pour l'instant. C'est pas mal. Abonnez deux. Plus hier 6, plus avant-hier 5. Ouais, calmez-vous. Non, je rigole, ça fait trop plaisir, franchement. Ça fait une photo pour moi. Ah, c'est pas de photo, ça. Non, c'est vidéo. Y'a pas le mode automatique, ça détecte et tout, ça met la photo. Non. Enfin, c'est à toi de mettre le système photo, mais là, je vais prendre en photo l'appareil photo. J'ai dit quoi, là? T'as pris en photo l'appareil photo. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Hey. J'invente des trucs. Essaye le kekia. Kekia. Je t'entraîne un peu. Un peu, ouais. Ça se voit. Essaye toi le kekia. Salut. Ça va? Tu vas bien? Tu veux te pâter? Ouais. T'es bienvenu, hein. You're welcome. Hein. Ouais, bah merci. Tu t'appelles comment? Maxime. T'as testé le jeu? Si je le teste après, je te finis. T'as vu, c'était chaud? Hein? Un interview, c'était chaud après l'avoir touché. Ok, pas de problème. De toute façon, je suis dans le coin. C'est comme moi, là, et dans le coin. Ok. Ça veut rien dire. Ouais, mais c'est pas grave, c'est très bien. T'as capté. Ouais, j'ai compris. Je sais pas parler. Ok, boum. Boss. Tu laisses. Et toi, voilà.
Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes chauds aujourd'hui? Premier jour de la Paris Games Week. Ah, moi aussi, quand j'étais petit, je pouvais tout venir ici. Change de midi, j'avais pas l'âge. J'étais comme ça dans ma tête. Ah, mais ça me lève, ça me lève. Paris Games Week, je suis mort. J'ai des couleurs. Et là, je voulais vous faire une question. Ok, ça me gêne. Est-ce que vous voulez un petit hop? Est-ce que vous voulez un petit hop? Ok, ça fait. Mon sourire passe le temps. À vous. À vous, mon soleil passe quand? Tout le monde, mon soleil passe quand? Mon soleil passe quand? Mon soleil passe quand? Dream, dream, c'est la clash, pas du fight, je suis kick, la manette, je l'empoche. Il n'y a pas d'arbitre, je brise les codes. Oui, je me masse, je te brise les codes. Soumission, finish, ta passage à la fiche, mais il n'y a même pas de triche. Il arrive à la niche. Moi, le moment, je suis le premier, je serai le dernier. Choisis mon poste pour moi, je suis abonné. You can see me, j'arrive, mais tu peux te prendre la même. Je suis le favori, une statue de monument monifrigé. Pour ça, on agisserait, le public sera en folie. Tous ensemble, c'est le sergent toxique. On saute, on saute, on saute, on saute. Tout le monde, allez, allez, allez. Je vois tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est le sergent toxique. C'est le sergent toxique. C'est le sergent toxique. C'est le sergent toxique. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Thank you.
Jacques, nous avons encore, je vous demande.
Marocain ou algérien? Non, aucun des deux. T'es quelle origine? Tunisienne. Tu m'invites? Ouais, bah sûrement une fois, ouais. Ah, trop bien, j'arrivais. Eh, hey, je suis arrivé beau gosse. Lunettes. Je suis arrivé en slip. Ouais. Pour me nager. L'eau, elle est bonne là-bas? Non, enfin. Ah bon? Moi, je suis que, d'origine tunisienne. Hein. D'accord, ok. Essaye de deviner mes origines. On va voir si tu arrives. Algérienne. Tout le monde me dit ça. Alors, on sort kabyle ou algérien? Je suis espagnol et croate. Ah, non, mais, dans ma famille, il y a des algériens. Ah, bah voilà, donc ça va. Ce qui fait que. Je me suis pas complètement trompé. C'est ça, tu vois, t'es fort, franchement, t'es un beau gosse. Donc, déjà, est-ce que t'as déjà joué à un jeu de catch auparavant? Jamais, c'était le premier. Est-ce que t'as bien aimé de ce que t'as vu en tout? Ouais, c'était sympa. Un peu long comme combat, mais bien. Donc. Et il t'affiche plus, hein. On s'en va les steaks, hein. Sors-le de tes amis. J'ai pris une partie en cours et il se trouve que j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Ça s'est pas forcément passé comme prévu. Donc, ouais. Ah, ok. Mais ça va, t'arrives avec les contres et tout. Ouais, ça va, ça va. Je remarquerai même pour quelqu'un qui débute, j'arrive facilement. Enfin, il y a qu'un bouton pour contrer, c'est pas très compliqué. Non. Carré, c'est tout ce qui est coup de poing, coup de pied. X, c'est pour faire des prises. Non, franchement, c'était pas compliqué. J'ai regardé en deux secondes les touches et ça va, il y avait écrit R2 en plus sur l'écran à chaque fois. Donc, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, t'es fan de catch ou tu l'étais un temps? Ni aujourd'hui, ni un temps. Ok, donc ça veut dire que tu connais aucun catcheur quand t'as joué? Rien du tout, rien du tout. Pour toi, John Cena, c'est un petit peu un mec comme un autre, quoi. Non, je le connais, non. J'ai quand même bien entendu parler de lui, mais c'est vraiment le seul catcheur que je connais, quoi. C'est vrai que dans le catch, on a tous parlé au moins, tous entendu en parler une fois, tu vois, dans notre... Ouais, ouais, toujours. Toujours, c'est... Même quand on était petit, tu vois, les cartes de catch qui circulaient dans la cour et tout. Ouais, c'est ça, bah souvent, c'est cool. John Cena, c'est toujours le nom qui revenait, mais au final... Tu viens de quelle ville, du coup? Bah, du coup, moi, je viens de Saint-Mandé. Dans le 94. Attends, Saint-Mandé, c'est pas les Saint-Mandiens? Non, non, hein? Saint-Mandien? Non, Saint-Mandéen. Saint-Mandéen? Parce que Saint-Mandien, elle est l'Inde, quoi. C'est parti, Genghia, Genghia, Genghia. Et du coup, tu kiffes aujourd'hui, ça va? Ouais, ouais, ça va, franchement. Première fois à la Paris Games Week, première fois au jeu de catch, première interview. C'est la totale, là, aujourd'hui. Grave. Respect, parce que surtout les places c'est cher et quand t'arrives tu dois attendre longtemps, plus prévoir l'hôtel, etc. Maintenant toi t'habites sur Paris, ça va? Ouais, ouais, ça va, juste à côté de Paris, c'est bon. Mais moi, franchement, bon, là je suis accrédité et tout, mais c'est quand même, on peut dire ce qu'on veut, la Paris Games Week ça reste de l'argent à fond, quoi. Parce que si t'as pas d'argent, comment tu viens? T'as vu les sandwichs, c'est 6€. J'ai été choqué. J'ai pas encore mangé, mais après j'ai eu la place au prix de l'étudiant, ça va, ça passe. Et puis il y a beaucoup de choses, c'est bon. Moi j'ai été choqué comme les choqués là. Choqué, choqué là. Allez, pas mal. Au revoir. je m'en veux vraiment. Je m'en veux terriblement pour cette vanne qui était pourrie. C'était la. Tu vois, il y a les bonnes vannes et les mauvaises. Et moi, je suis dans la catégorie mauvaise. J'avais été bon. Excuse-moi, c'est les larmes qui font quoi. C'est dur à vivre. Bah merci à toi, merci beaucoup. Merci. C'était super. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Tu fais quoi comme métier ou dans les études? En informatique. D'accord. Ok, moi je suis animateur. Animateur et youtubeur. Sympa. Vous savez que j'ai pas peur quand je parle tout ça. Parce que je le fais tout le temps. Okay. Toi aussi? Ouais. On parle beaucoup quand même dans l'année, on est d'accord. Hein? On parle beaucoup dans l'année, on est d'accord. Ouais, ouais, bah oui. Même si t'es timide, tu parles. Ouais, évidemment, toujours moi. C'est clair. On vous souhaite de passer une bonne journée tous les deux. Ouais, merci. Deux fois. C'est bon, c'est pas grave. Vas-y, gars, bonne journée. Merci. On se retrouve avec Monsieur Mario. Monsieur Mario, ouais. T'es un youtubeur? Ouais, ouais. Sérieux? Ouais, je fais des vidéos de foot et tout. Tu peux parler un peu de ta chaîne, s'il te plaît? Ouais, bah je fais une petite chaîne, tu vois. Tous les dimanches, on tapait un foot avec mes potes. On s'est dit, on va filmer pour notre plaisir. Et au final, ça a fini sur YouTube. J'ai fait des gros montages et c'est pas mal lourd, tu vois. T'es un peu à la... Comment on appelle ça, les youtubeurs tu sais qu'ils font du foot, genre... C'est une gagnée, tout ça, un peu. Ouais, voilà, des... Après, pas freestyle, mais vraiment foot, tu vois. Des belles actions, des trucs comme ça, tu vois. On fait des petits jeux. T'as déjà fait des défis, tu sais, tirer sur la barre, là? Ouais, bah oui, crossbar challenge. C'est un truc grave lourd, franchement. Vous mettez Monsieur Mario, crossbar challenge, et ça y est, vous êtes dessus. Alors, il faut que je te montre quelqu'un. C'est quelqu'un qui te ressemble plutôt. T'es prêt? Ouais, ouais, c'est vrai, j'avoue. Il lui ressemble.
ce mec là c'est mon cousin. Bah bien, est-ce que tu vois bien Fusion? Ouais, c'est vrai. Il y a un truc, quand je t'ai vu, j'ai failli t'appeler Adrien. Toi, ce que tu sais pas, c'est que moi je suis son homologue. C'est quoi homologue? Ça veut dire genre, je suis son double, tu vois. Ah, ah c'est un bon lui. Alors, est-ce que t'as testé le jeu du coup? Ouais, c'était grave lourd. T'en as pensé quoi dans la globalité? Après moi j'aime bien, j'avais le 16 pour déconner avec mes potes et tout. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde sur la queue, je me suis dit je vais tester. Et franchement c'est pas mal, j'aime bien, c'est bien fait et tout. Après c'est pas un jeu auquel je vais jouer tous les jours, tu vois. Mais de temps en temps, pour se détendre ou quoi, ça peut être pas mal. Parce que moi tu vois par exemple, tu vois sur ma chaîne, je suis spécialisé dessus du lundi au vendredi. Les week-ends je varie, des vidéos diverses, vlogs et tout. D'ailleurs la dimanche je poste un vlog spécial foot dans ma ville, dans mon quartier et tout, donc c'est sympa. Ouais c'est un petit truc vu que j'en occupe tant pas et tout. C'est la seule vidéo que j'ai fait foot donc et après j'en fais un sur FIFA 17, mais voilà, je suis vraiment dans le gaming. Mais tu vois, ce que je pense vraiment au fond de moi, c'est que ce jeu, que t'aimes ou pas, quand tu joues, tu vois, t'es dedans, tu rigoles et tu partages des bons moments, tu vois, c'est ça qui est bien, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est avec tes potes, tu vois, ou alors en ligne, quand tu rouilles, mais avec tes potes, c'est 10 fois mieux, tu vois, ils viennent, tu squattes un peu, tu fais un peu de FIFA, un peu de catch, tu rigoles, tu vois, c'est lourd. Et après, l'important, c'est dès lors où tu t'amuses, tu t'éclates, tu rigoles. Quoi de mieux, tu vois, t'es posé. Bah ouais, t'es posé, tranquille, avec une petite pizza, une petite canette de Coca, Pepsi, en tout. Jeannette, pizza t'as dit? Ouais. Ah moi je suis un con. Tu fais du sport quand même? Ouais c'est... Oh je me disais bien qu'il y avait un truc dans le genre, ouais. Parce que t'étais trop fort, c'est bon. Tu sais, je dis ça parce qu'il y a des mecs, ils font jamais de sport, ils mangent comme des malades, ils prennent rien. Ouais. Ça m'énerve intérieurement. Après, je mange comme un gros, tu vois, mais je fais un peu de sport à côté, tu vois, il faut... Les conseils pour ceux qui ont perdu du poids, niveau nourriture, qu'est-ce que tu principalises? Après moi, tu vois, je mange bien équilibré. Ça dépend, des fois je suis un peu là, McDo, nanana. Mais franchement, quand tu fais du sport, mange du riz, de la viande, et c'est bon, ça te va. D'accord. Ok, bah, c'est super sympa en tous les cas. Qu'est-ce que t'as bien aimé le plus dans le jeu? C'est Hell in a Cell, je kiffe la cage, tu vois. Et tu peux faire trop de dingueries dedans, et c'est ça qui est lourd. Parce que ce qui est vraiment ça, c'est la pété. Ouais, normal. Ça, c'est la base, ça. Le pire, sur ton pote, tu vois. Le pire, c'est quand tu comptes vraiment tout, et tu vois son visage, il en a marre, tu vois. Et il est là en mode, oh non, pourquoi je joue avec lui? Il va arrêter la console et tout. Ouais, parce que tu vois, autant dans FIFA, quand tu vois, tu le passes, tu récupères après. Mais là, si tu rates à chaque fois les comptes, ça t'énerve, tu te dis, vas-y. Ah, par exemple, il y a des gens qui te regardent, tu te dis, vas-y, non, c'est trop là. C'est ça, t'es là, qu'est-ce que... C'est qui m'observe là? Et les mecs de Touquet, vous avez bientôt fini? Attends frère, je me finis, je déglingue les mecs, j'arrive! Laisse-moi en profiter un peu, sérieux! C'est ça! Tu as quel âge toi d'ailleurs? Moi j'ai 24 ans. Tu me donnes quel âge? La vérité, je te donne, allez. 25. 19 piges? Non! J'ai 19 piges! Je suis jeune de ouf en vérité. Mais le truc, c'est que tu vois, voilà tous des chemins différents. On l'a fait ensemble, j'ai passé j'ai vécu des trucs qui ont fait en sorte que je dois mûrir beaucoup plus vite. On l'a fait ensemble. Tu vois, c'est vrai, ça se ressent pas mal, tu vois, dans la façon d'être et tout. Mais après, tu vois, on a tous des chemins différents, tout comme toi. Bon, on parle pas de ça, c'est privé, bien sûr. Mais voilà, tout ça pour dire que dans la vie, dès lors où tu as un taf et que tu t'en sors, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Après, bon, c'est la vie, quoi, comme on dit. Donc écoute, c'était super, hein, merci beaucoup. Franchement, t'as géré, c'était top. Donc, Monsieur Mario, c'est ça? Monsieur Mario. M-R Mario. M-R espace Mario. D'accord, ta photo de profil, elle ressemble à quoi? C'est un M. Il a trop d'argent, pas assez pour le graphisme. Ah, mais YouTube, c'est de la monnaie, c'est automatique. Franchement, on se fait plaisir à monter les trucs et on les revit pendant la semaine. Et le week-end, on s'amuse à jouer au foot. Franchement, c'est pas mal. C'est clair. C'est juste un plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Hein. Bonne PGB, c'est ton seul jour aujourd'hui? Ouais, c'est aujourd'hui, tu vois. Je taffe un peu, tu vois. Et là, je me suis dit, dimanche, j'y vais, tu vois. Et j'ai fait 450 km pour venir ici. Fusion, je vais sur la chaîne de Monsieur Mario. Salut, ça part. Oh là là. Waouh, quelle chevelure. Oh, j'ai payé 20 balles. En tous les cas, merci encore, c'était vraiment génial.
Ah, c'était lourd, c'était lourd. Merci. Donc la vidéo, elle arrive samedi attends. Week-end prochain ou week-end d'après. Sergent Toxique. Ok, film. Ah ouais. C'est des warrages. Fusion, vas-y. Il se fait sa pub. Normal. Normal, il faut. On n'a pas été sponsorisé. Hein. On risque pas vu qu'on est entre youtubeurs. Donc. Plaisir. C'est ça, c'est ça. Merci. Merci, champion. Vas-y, bonne journée. Vas-y. Nous retrouvons pour le meilleur et pour le pire. Oh, lourd. On dirait un mariage. Ça, ça va quoi? Bien, tranquillement. Ils sont les mariés. Ils sont pas là. Oh merde, on s'est trompé. On va aller à un mariage, on allait à la PGW. Ah merde. Les gars, vous appelez comment? Bastien. Et toi? Enzo. My name is Enzo Amore. Tu connais ou pas? En fait, c'est un catcheur qui s'appelle Enzo Amore. Il est dans les jeux d'ailleurs. Et en gros, c'est sa phrase de catcheur. Bref, je te passe la taille. Les gars, vous avez testé le jeu? Ouais. Longtemps, pas longtemps, je vous pose la question. Ils ont répondu juste avant, mais comme on n'était pas en vidéo. Pas longtemps, on a fait juste un match. Ouais, pas longtemps. Est-ce que vous avez kiffé dans la globalité? Ouais, c'est marrant. C'est grave marrant, ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est lourd. Ouais, c'est grave marrant. Bah ouais, c'est grave marrant. Moi aussi, je kiffe. Non, je suis taquine. Vous venez d'où? 77. 77. RPZ! La ville des coups déjà? Ouais, c'est ça. Ça va bien, tranquillement. C'est pas grave, y'a pas de soucis. Sans pression. Non, ça fait plaisir. Ça va quoi? Vous voulez nous rejoindre du coup à la limite? Ils sont dedans maintenant, donc c'est bon. Hein. Non, mais c'est vrai que, je précise, la caméra elle est petite, donc on la voit pas forcément, tu vois. En plus, comme là, ça peut voir que ça cache. Non, ça cache pas, on voit de. Non, on voit quand même, on voit un petit peu quand même. Oh, j'ai rien dit. Ça va les mecs? Ça va. Bien. Pourquoi Call of Duty? Parce que c'est bien. Ah, mais il est où le rapport? Yata Way. Bon, les gars, maintenant qu'il a fait son pitch, on peut reprendre. Alors, il m'a déstabilisé complètement. Vous avez pensé quoi du jeu? C'est plus chouette qu'autre chose. Ah ouais? Tu trouves? Ouais, y'a pas. Est-ce que tu penses que dans l'avenir tu l'achèteras peut-être? Non. Ok, ils sont sûrs, c'est juste pour. Je vais jamais faire ça pour vérifier. Qu'est-ce que. Vous avez fait qui contre qui du coup? Moi j'ai pris ce Rock et lui, là. Undertaker. Ok, c'était un match serré ou pas? Non, il m'a défoncé. En fait, c'est pas compliqué ce jeu, t'as le bouton R2 derrière. T'appuies juste au bon moment pour contrer. Après, c'est facile, t'appuies à fond sur la touche carré pour mettre des coups de poing, coups de pied. X et les prises et tout. Ça vient de X. Je faisais que X. Moi. D'accord. En tous les cas, les gars, c'était cool. Hein. Merci beaucoup. On oubliera le virus juste avant. Hein. Il n'était pas prévu de base. Hein. C'est ça. Hein. Ouais, pas de soucis. Attendez, je vous donne ça. Vas-y, maintenant. Vous êtes 7-7 tout. Vous êtes tous 7-7. D'accord. Du coup, moi, c'est Sergent Toxique. Ils ont mis une photo pourrie, mais c'est pas grave. Sergent Toxique. Je tape ça sur YouTube, tu vas trouver direct. Voilà. Et vous êtes là demain ou pas? Non. Oh, ok, d'accord. Bah, c'est cool en tous les cas. C'est cool. Bonne journée, les mecs. Hein. Allez-y. Salut. Je suis en train de marcher, tranquille. Et qui je vois? Denis. Denis, c'est un poteau d'enfance. Avec qui on a grandi ensemble. Enfin, ouais, une année, hein, c'est pas vraiment grandi. Ouais, une année. Hein. Dans le 93, parce que j'avais été, pour la fois ensemble, j'avais été placé en famille d'accueil dans le 9-3. Et donc, j'étais au collège à ce moment-là avec lui. Il a pas. Tu te souviens de moi? Bah oui, hein. Mes bêtises? Ah, trop même, hein. Ah, arrête, commence pas. Donc, il va vous parler de ce que c'est que de se retrouver dans un collège avec moi. C'est pas le meilleur des souvenirs que j'ai. J'en ai même aucun de là-bas. Mais après, des bons souvenirs, j'en ai. Mais en fait, je vous explique que c'était un collège privé. Où en fait, en gros, qui était surveillé par. Enfin, qui était. Les directrices étaient des bonnes sœurs, ça s'appelle comme ça. Hein. Des sœurs, ouais, des bonnes sœurs. Un peu sadique, hein. Moi, je me souviens, la vieille là qui marchait comme ça, elle faisait peur. J'avais peur qu'elle prenne une canne et qu'elle me. Voilà. Mais ça passait, quoi. J'avais peur à moitié. Denis, je vais te laisser parler de mon avenue.
quand je suis arrivé dans la classe et tout le premier jour, ce que t'en as pensé, ce qu'on a fait, ce que t'as vu, etc. Tous les souvenirs que t'as, vas-y. Franchement, j'ai pas cherché à saturer, j'ai rien à cacher. C'était des bêtises parce que voilà, c'est. En fait, il y a un vrai message dans ça. Si je vais laisser Denis aujourd'hui parler de ce que j'ai fait comme bêtise, etc., c'est pour un vrai message. C'est tout simplement pour dire qu'en concours, il faut éviter de merder, il faut éviter de faire tout ça. Et croyez-moi, moi, avec le passé que j'ai, des conneries, j'ai tout fait, je crois. On a tout fait, ouais. Mais qu'une année, hein. Imagine, il m'a qu'une en 5ème. Il m'a pas eu en CP, CE1, CE2, CM1, CE2, CM1, etc. Mais c'est juste parce que j'ai envie de vous dire, au jour d'aujourd'hui, si j'avais pas eu YouTube et la chance d'avoir un taf et me battre pour ça, je serais certainement SDF. Et je le dis cash parce que je suis une situation familiale très complexe. Pour ça d'ailleurs que voilà, j'ai réussi à m'en sortir, etc. C'est vraiment un message que je veux vous donner à vous aujourd'hui, c'est de ne rien lâcher dans la vie. Toujours persévérer encore et encore et encore. Et à un moment donné ou l'autre, vous arriverez dans la vie. C'est bon, j'arrête le blabla, je me regarde dans ma tête, ferme ta bouche. Denis, on t'écoute. Toi, voilà, on a eu des bons moments et toi. Ton arrivée, ça s'est bien passé avec nous. Ah ouais, je me suis bien intégré au début, ouais. J'avoue, quand je suis arrivé, c'est. Au début, j'étais un peu perplexe, je suis entré dans la classe, ils sont 8, un petit chalet, j'étais comme ça. C'est une classe, hein? Je voyais un chalet, s'il te plaît, des chaises, une table. Un tableau avec des petites fenêtres, je te promets, on dirait la maison de Blanche-Neige. J'étais choqué. À vous? Ouais, c'est ça. Hein. Et qu'est-ce que t'as, les premières bêtises que j'ai fait pour toi, est-ce que tu t'en souviens un peu? Non, pas trop, mais pas trop. Le truc que vraiment, par exemple, en Normandie, quand t'es parti, tes souvenirs vraiment que tu as eu. En Normandie, c'est quand on faisait le foot là, quand t'as cherché la balle. on était dehors et tout. J'ai pris un ballon, tu vois. J'ai tiré fort. Et on l'a plus jamais retrouvé. Même pas, on l'a pas retrouvé. Le prof, il commence à péter un plomb. Hein. Ah, il est venu voir, il m'a dit, tiens, le ballon, là, tu l'as mis où? Il m'a agressé. Ouais. Il m'a agressé pour un ballon. C'est un truc de malade. Est-ce que tu te souviens, c'était en Normandie, avec Mohamed. Mohamed. Quand je l'avais pris, que je l'avais pas lancé. J'avais fait une prise de catch que j'avais à pas faire, bien sûr. Et est-ce que tu te souviens de comment il était par terre et tout? Ouais, il était mal, hein. Ah, il était mal. Je l'ai pris pour un ballon de basket. Je l'avais pris. Moi-même, voilà, je voulais faire un petit test et tout. J'ai testé ma force ce jour-là, je m'en souviens, parce que j'avais l'impression, tu vois, que j'étais un peu intérieurement un mec un peu puissant. Tu vois, je me sentais plus. Je l'ai pris et je l'avais pas lancé sur un autre gars. Je l'ai fait, en fait, je descends de la cuisse. Sauf que le gars, il avait esquivé, en fait. Ce qui fait que lui, il a fait une shoot. Boum! Fusion, tu as l'image ou pas en tête? Non. T'as du mal à voir. En gros, regarde. T'as un mec qui est allongé par terre, tu vois. Moi, c'était dans. C'était, ouais, donc, c'était dans 9-3 à ce moment-là, mais nous, on était partis en voyage scolaire. J'ai pris un gars, tu vois, normal, sur mes épaules, en fait, plus ou moins, c'est un peu en sidewalk step, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il y avait un mec qui était allongé, vraiment, genre, piteux état. Et en fait, j'ai pris le mec, je l'ai balancé, sauf que le gars qui était par terre. Il a esquivé, ce qui fait que, boum, les deux jambes sur le sol. Je peux dire, ça s'est entendu. Tu te rappelles ou pas? Moi, il était comme ça. Aïe! Aïe! Moi, je faisais comme ça. Guillaume Le Teil. Après, je me suis bien fait défoncer sur là, je m'en souviens, parce qu'il était. Il était fait l'air de malade. Il avait pété les câbles. J'avais pris trop cher. Ouais, mais j'ai pas compris ce jour-là. J'étais comme ça en train de le regarder. Et il débitait, parlait. Moi, je comprenais plus rien. Est-ce que tu te souviens de. Comment il s'appelle? Le Renoir avec qui j'étais tout le temps. Renoir? Je sais plus son blaze. Un Renoir, même, tu sais, pas très grande taille et tout. Attends, ça va revenir. Je vois pas c'est qui, un Renoir, il faisait trop le ouf et tout. Ouais. Je vois un peu qui c'est, tu te rappelles? Pas son blaze, hein. Tu te rappelles quand je m'étais assis sur la table de ping-pong? Ouais. Elle s'est pétée, la belle. En fait, j'ai été avec tout, moi je me suis assis dessus. Elle s'est pétée, la bonne soeur elle arrive, elle fait. C'est quoi ça, t'as fait quoi? Et moi j'ai répondu, madame, c'est le minimum. Et ça avec mon accent, parce qu'avant, en fait, quand je parlais, j'avais une façon de parler, tu vois, t'es obligé de rigoler. Et t'as le mec à côté, il était mort, t'aurais pu. C'est comme si toi tu pétais à ta plus longue dans ton école, et que tu reviens te voir et que tu lui dis. C'est le minimum, c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était, tu te rappelles, c'était ça, c'était passé. Il y avait quoi d'autre? Tu te rappelles, le premier jour, je me fais virer de cours direct. Ouais, toi, toujours viré, presque, hein? Oui, j'allais dehors. Bah, un jour, on m'avait viré. En
fait, il y avait une table de ping-pong. En fait, c'était un collège privé, en fait. Il y avait une table de ping-pong, donc on m'a viré et tout. On m'a dit, ouais, va dehors. Moi, je fais, ok, vas-y, j'y vais. Et je rajoute, je veux faire un ping-pong. Après, c'est ce jour-là, il m'avait pris, il m'avait ramené dans la classe. Il avait pété les câbles sur moi, c'est un truc de malade. Ce mec-là, il me détestait. Après, t'avais la prof de français, là, comment elle s'appelle? C'est pour Madame Gass. Elle. Où elle est? Elle m'aimait pas. Elle m'aimait pas. Comment ça se fait? T'as souvenir qu'elle m'a dit un jour une phrase gentille? Non, même pas. Elle descendait tout le temps. Il n'y a pas un jour où elle m'a dit, toi, tu vas aller loin dans la vie. Avec ce genre de prof, tu vas nulle part. La prof que j'aime bien, c'est prof d'anglais. Ouais. Comment elle s'appelait déjà? Elle était exigeante, mais j'avais rendu un peu ouf au début. Après, j'ai essayé parce que voilà, elle était cool, ça va. Après, le prof là, avec une voix bizarre un peu. Tu sais, le prof de physique, chimie ou SVT ou je sais plus quoi. Tu vois un peu c'est qui? Même il avait des petits cheveux, pas très beaucoup de cheveux. Même pareil, hein. Lui aussi, on était. Je l'ai rendu dingue aussi. Tu te rappelles quand on était à la Courneuve, quand on était en train de planter des trucs là. Et qu'il y avait la Courneuve à côté, ça hurlait. Et moi je faisais, allez acheter les poissons! On faisait du jardinage, c'est comme si quoi. En fait, on faisait du jardinage et tout, donc il faisait des leçons et tout. Et en fait, à côté, t'as la Courneuve, donc t'as un grand mur. Donc là, t'as l'école, le jardinage, un grand mur, et juste là, la Courneuve, le marché. Et ça hurlait, moi je n'entendais pas ce qu'ils disaient. Et d'un coup, je pète un plomb, je regarde tous mes collègues, enfin tous mes camarades. Et j'en dis, allez, le poisson, on va l'acheter! Non, mais je me souviens parce que j'étais mort de ce jour-là. C'était parti en steak. Et après, c'est vrai que j'en ai tellement fait des trucs là-bas que moi, je me souviens. Je sais qu'en cours, souvent, on rigolait beaucoup à cause de moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est juste, voilà, si je vous dis tout ça, c'est juste pour vous dire, dans la vie, il faut savoir se concentrer. Moi, j'ai eu un parcours scolaire assez complexe. Denis, toi, de ton côté, est-ce que tu veux bien parler un peu de ta scolarité ou tu veux rester secret dessus ou comme tu veux? Moi c'est pareil, hein. On a fait des conneries, mais là on essaie de s'en sortir un peu. Hein. Faut jamais lâcher les cours après. Après, et toi, c'était une bonne année quand même, hein, faut dire. Après, c'est toi. Alors je parlais de ça parce que pour montrer que je suis unique dans le monde, je suis le seul mec, j'avais mytho ce jour-là. Je te dis honnêtement. J'ai envie de le dire en même temps, je n'ai pas envie. On avait dormi tous les soirs. Le lendemain, est-ce que je savais que ce que vous avez joué? Je le dis ou pas? J'ai envie de le dire d'un côté, mais de l'autre, tu vois, il faut avoir une mauvaise image, tu vois ce que je veux dire. Essaye de retrouver Loris pour ça. Essaye de le retrouver, voilà, tu veux une petite bête d'eau avec lui, tu le ressors, hein. Tu imagines Loris au marché, non, Loris, tu te rappelles? Bon, attends, je peux plus, c'est bon. Je vais raconter ce qui s'est passé. Ça date, hein. Attention, il y a prescription. J'ai changé. Calmez-vous. En cinquième, donc j'avais 12 ans à ce moment-là, on était parti en... C'est quoi déjà? C'était pas Bordeaux? Non, on a fait deux Normandie encore. Ah, je sais plus, on était partis en voyage. Et en fait, ce qui s'est passé, Fusion, tu rigoles pas, s'il te plaît, c'est mauvais souvenir d'un côté. On était en train de dormir, donc c'était deux par chambre. Hein. Et moi, j'ai vu une super belle meuf le matin, que j'avais dans la tête. Donc, ce que j'ai fait, vu que j'arrivais pas à l'avoir en tête, en pleine nuit, je pense qu'il dort. Alors qu'il dormait pas, mais je pensais qu'il dormait. Oui, je l'ai fait. Non, c'est trop. Je me suis masturbé. Le lit est poussé comme pas possible. Ça l'a réveillé. Et après, bah, le lendemain, en fait, il a tout pouqué à vos jambes. Sauf que moi, le lendemain,
Je disais non, j'avais mal aux jambes, machin, c'est le truc, il arrêtait pas de s'enlever et tout. Parce qu'en fait, on avait. Comment on appelle ça le truc là? C'est ce qu'on met pour dormir là. Tiens, après tu fermes avec la fermeture éclair. Ouais, bon. C'est un sac de couchage, voilà, c'est ça, on avait ça. Et moi, je chantais excuse, c'était le sac de couchage. Donc non, je m'étais vraiment. Voilà quoi. En public et tout sans pression. Bon, encore, ça va, j'étais dans le lit, c'est pas comme si que. Dans le car, tu vois, ça va quoi, ça passe. Mais. Voilà, j'étais toujours été unique en mon style. Donc voilà, c'était sûr que mon avenir c'était YouTube quoi. Hein? Voilà. Oh bah oui, arrête. Fini mal, hein? Oh, je rigole. En tous les cas, Denis, ça fait super plaisir de te voir. T'as grandi, hein? T'as 5ème là. T'as pris du niveau quand même, hein? Fais comme ça. Pompe le ventre. T'as perdu, hein? Bah oui. Plus arrondi. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi, je te souhaite de passer une bonne après-midi quand même, ma gueule. Bon courage, amuse-toi bien, éclate-toi bien. Toi aussi, tu vas bien t'éclater, toi? Ouais, bah toi aussi, hein. T'arrives à quelle heure, là? Alors, midi. Midi? D'accord. Donc là, t'as pu faire le tour un petit peu? Vite fait. Donc voilà, tout ce que je vous ai raconté, c'est que des souvenirs, hein. Je suis plus le même, hein. J'ai grave changé, énormément changé, même quand même. Parce qu'avant, j'étais vraiment encore plus fou que maintenant. Ouais. Voilà, mon nom c'est Sergent Toxique, Toxique, ça va pas de rien, vous rassurez-vous. J'en parlerai en fin de cul prochainement. Moi je vous dis à la prochaine. Je sais pas à quel moment ce passage va arriver, ça va être le bonus. Si ça va être avant l'interview, après j'en sais du coup. Donc bref, où la vidéo se finit, ah, la intro de fin, où ça continue. En tous les cas, passe une bonne après-midi. Salut mon gars. Vas-y. On se retrouve avec mon Sissi. Ouh Lulu, ça va les copains? Ça mon Sissi? Ça va toujours et toi mon toxico? Ouais, ça va, il faut. Hein. Alors Cyril, c'est un petit un peu de mon quartier quoi maintenant. Ah bah ouais. Hein. On se connaît bien? Bah ouais, bien sûr on se connaît. Attends, on se connaît depuis quelle année maintenant? De quoi, t'as dit quoi là? Depuis combien de temps on se connaît maintenant? Je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. Waouh. En fait je vous explique, de base, je suis le pote de celui là-bas, à côté là. Ouais. Et à côté... Et donc en fait un jour bah j'allais faire des FIFA bah, chez mon pote et il y avait Cyril, c'était son voisin quoi, toujours côte à côte, toujours côte à côte aujourd'hui. Ben oui. Donc voilà et en fait en gros bah ils se connaissent eux déjà depuis très très longtemps. Ouais bah depuis très longtemps, de 3 ans genre. Hein. Ça date 3 ans vous connaissez ou 3 depuis que t'as 3 ans. 3 ans ouais, de 3 ans, 3 ans. Ça fait 3 ans. Le t-shirt, montre ton t-shirt. Regardez les gars, c'est grâce à lui que je l'ai mon t-shirt. Ouais, je lui avais fait un t-shirt personnalisé pour sa chaîne. Donc c'est une petite chaîne qui débute encore. Hein. Ouais. Tu sais, le matos et tout, c'est dur à voir. Hein. Ah bah ouais, hein. Là j'ai que 165 abonnés. Hein. Ça monte doucement, mais sûrement je vous mettrai sa chaîne pour lui faire plaisir dans la description de la vidéo. Donc là le vlog, bah comme vous avez vu juste avant, la séquence à la PGW, j'ai tout donné. Ça a duré 1h30. Hein. Ah ouais, je suis arrivé à 11h, c'est jusqu'à midi. Hey, attends, 11h. Ouais, 1h, pardon. 1h, ouais, non. 11h, midi. Je pensais que c'était 1h30. Non, parce que c'est passé vite, hein. C'est passé trop vite. On a animé. Vous avez tout vu, c'était super cool. Alors, excusez-moi. Pourquoi la qualité micro, juste avant, elle n'est pas terrible? C'est parce que vous l'avez vu dans la vidéo. J'étais tellement excité, content de voir plein d'abonnés, de voir les gens, etc. De mettre l'ambiance à Touquet. Vraiment, encore merci à Touquet qui m'ont donné cette chance cette année. C'était énormissime, c'était cool. Ouais, c'est le moment un peu émotionnel, mais voilà, quoi. Non, franchement, c'était mortel, c'était lourd. Moi j'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment avec eux. À la fin j'étais même limite ému, tellement c'était lourd. J'ai distribué les cadeaux. Ça tu te sens chaud à ce moment là. Tu jettes et tout, tu sais pas où faut jeter. Mais par contre là où c'est chaud vraiment, c'est quand t'as tout le monde qui lève la main, je te le dis hein, et que tu dois choisir qui va jouer. Ah ouais, ça c'est le moment. Toi t'es là comme ça, je prends qui? Je sais pas. Ok. J'ai envie de décevoir les gars. C'est ça, mais faut que je choisisse un mec absolument. Donc comme vous avez vu juste avant, mon micro en fait il est tombé dès le début. Ce qui fait que c'est pour ça qu'en fait la qualité micro elle est pourrite et que j'ai pas pu la mettre après. Parce que réparer etc. Alors que j'étais en plein show, en pleine présentation, prestation tout ça. C'était vraiment galère mais franchement c'était énormissime. L'année prochaine je pense le refaire, c'est le Toxico. Je vous inviterai sur scène en priorité, y'a pas de problème. Cyril, j'espère que tu seras là. Bien sûr je serai là, moi je serai là direct. Toute la semaine je serai là. Explique pourquoi t'as pas failli, explique déjà pourquoi tu devais pas être là aujourd'hui. Ah ouais. Eh vous savez les mamans elles ont peur hein. Elles ont vraiment peur. Alors ma mère, je vais vous expliquer. Attends, arrête de rigoler, c'est dur youtubeur. Elle a cru y avoir un attentat ou un truc comme ça.
Parce que vous savez, les mamans, elles ont peur, hein. Parce que en plus, moi, tu vois, tout, elle était comme ça. Ah, j'ai peur, mon fils, et tout, tu vois. Mais au final, elle m'a laissé partir à 10h. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là avec mon toxico. Qui a la je précise que sa mère, elle est vraiment super gentille. Hein. Moi, franchement, ta daronne, c'est un... Arrête, Cyril. What? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, rigole. On présente on présente les parents et toi, t'es pas content. Madame Cyril, vous inquiétez pas. Madame Cyril. Madame Cyril. Madame Cyril, comment s'appelle ta maman déjà? Ça s'appelle Elisabeth, sale bête. Elisabeth, voilà. C'est bon, il sent plus. Hein. Elle va taper quand elle va voir la vidéo. Elle va taper. Hein. Ouais. Je crois qu'on va pas lui montrer. Hein. Ça va être secret. Ça va, Elisabeth? Il est gentil comme tout. C'est un beau garçon. En tous les cas, nous on a fini de manger. On va se balader cet après-midi. Ouais. On va rigoler. Il y a Sissi, du coup, faut qu'on le garde. On ne va pas le mettre dehors. Ouais. Oh. Donc nous, on vous dit à la prochaine. Et moi, comme je dis tout le temps dans mes vidéos, allez, ciao, ciao. Moi, c'est pas ciao, ciao. Toi, c'est quoi, toi? Moi, c'est prenez bien soin de vous. Non, c'est attends, c'est... Oh, je sais jamais. Et c'est même pas c'est quoi son... Si, je sais, mais c'est la fatigue. Prenez bien soin de vous et de toute notre famille. Peace, mes toxico. Peace. Peace, mes... Toxico.